Et on commence avec, en mettant en avant un cinéaste qui est très important. Alors c'était à l'occasion, c'est un prétexte, mais c'était un très beau prétexte, le coffret qu'Édition Potemkin sorte, coffret Kanoun, du cinéaste iranien Abbas Kiarostami. Donc c'est sont les premières œuvres de ce cinéaste, et c'est un très beau coffret qui a aussi toute une histoire, il y a eu des reports successifs, une exposition, une rétrospective qui se faisait au Centre Pompidou, qui a été reportée d'un an. Donc pour nous aussi, c'est un coffret qui nous tient à cœur et puis qui est dans la boutique depuis pas mal de temps. Alors pour venir en parler, on est très heureux d'accueillir Alain Bergala et Jean-Michel Frodon. Donc très rapidement, je fais un rappel rapide de la mini bio de l'un et de l'autre. Donc Alain Bergala, critique de cinéma, universitaire, essayiste, enseignant aussi, ou collaboré au Cahier du cinéma. Réalisateur, scénariste et réalisateur, collaboré au Cahier du cinéma en 76, rédacteur en chef adjoint de 83 à 85, directeur de collection au Cahier du cinéma. On vous associe, vous avez travaillé et préfacé des textes de Rossellini, de Jean-Luc Godard, avec l'ouvrage du fameux Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, et puis Buñuel évidemment, et Kiarostami. Donc il y a des ouvrages, mais on en a mis sur la table principale. Il y a cette édition là qui est assez précieuse, et je pense qu'il y a d'autres écrits qui sont dans la édition Cahier du cinéma. Vous me corrigerez, Alain, si j'ai oublié des choses. Commissaire d'exposition aussi, il y avait une exposition au Centre Pompidou, Correspondance, Kiarostami hérissé. Il y avait une édition aussi qui avait été faite autour de ça. Je ne vais pas faire la liste de vos publications, qui sont nombreuses, ni de vos films. Je passe à Jean-Michel Frodon, également critique de cinéma, journaliste, enseignant, historien du cinéma. Vous avez officié au Monde. Vous avez également dirigé plus tard les Cahiers du cinéma. Sur vos activités d'enseignant, je ne vais pas en faire le tour, mais il y a ce lien qui est très intéressant sur, encore une fois, les liens entre l'histoire et le cinéma. Ce dialogue-là, cette mise en situation. Et actuellement, on retrouve vos écrits dans Slate. Et vous collaborez régulièrement avec AOC, voilà, c'est ça. AOC, site internet, très très bon, très stimulant et très intéressant, très éclectique, qui rassemble des plumes passionnantes. Et puis, pour Kiarostami, cet ouvrage, ses sommes avec Agnès de Victor, universitaire, qui s'appelle L'œuvre ouverte, qui est très précieux, qui était sorti à l'occasion de la rétro aux Andes Pompidou, c'est ça? En fait, on avait mis tout le livre en chantier avant de savoir qu'il y avait ce grand projet à la fois de réédition de la totalité ou quasi-totalité des films restaurés et d'une exposition aux Andes Pompidou. Ça s'est trouvé en synchronie, d'une part en termes de temps et en proximité artistique, intellectuelle, affective avec les gens qui s'en occupaient. Donc oui, on a convergé les uns vers les autres, alors que ce n'était pas... À l'origine, ça n'a pas été prévu pour accompagner l'exposition, mais nous, Agnès de Victor et moi, on se retrouve entièrement dans ce qu'on fait, les deux commissaires de l'exposition, Massoumé Laïdji et Sylvie Roy. Ça va, tout ça va ensemble, même si ce n'était pas prévu au départ. Une première question, peut-être, parce que je découvrais dans cet ouvrage que Danet avait rencontré le cinéma de Kiarostami en 90, lors d'un voyage à Téhéran, je crois. C'est toujours intéressant de voir comment un critique fort de son temps découvre, comment on découvre l'œuvre d'un tel cinéaste. Et je voulais vous poser également cette question. Quand s'est passée cette rencontre avec Kiarostami? Quand est-ce que vous avez découvert cet auteur? Et quelle a été votre réaction? Quelle année précise c'était? Et avec quel film? Dans quelles circonstances? Alain.
Mais moi, ça passe par lui. Non, ça passe par lui. Je veux dire, ma rencontre réelle et physique avec Eurostami s'est faite chez eux, quand vous habitiez encore à Paris, et pas en banlieue. Et bon, moi, je suis tombé sur où est la maison de mon ami. Et comme je me suis beaucoup... j'étais très... La question de l'enfance et de la pédagogie et tout ça a toujours été mienne. Et j'étais sidéré par... par ce film, enfin, par l'universalité de ce film. Et du coup, j'ai commencé un peu à voir les autres choses qu'on pouvait voir. Et à l'époque, il y avait une espèce de doxa, comme ça, qui disait « c'est un nouveau Rossellini », ce que je n'ai jamais pensé trois secondes. Contemporain, quoi. Oui, l'idée, c'est, c'est un revenant. C'est Rossellini qui revient en Iran. Et c'est, évidemment, très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Notamment quand il a fait Close-Up, c'est évident que c'était pas ça. Voilà. Et du coup, donc, je l'ai rencontré chez eux. Et Vous avez rencontré, le film. Non, Kiarostami. Kiarostami. Comme voilà. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Par ailleurs. Et donc, quand Alain dit chez eux, c'est donc chez Agnès et moi. Voilà. Ça l'a mangé. Et comme donc, et ça c'est, enfin, j'ai eu immédiatement un très bon rapport avec lui et réciproquement, c'est-à-dire après avec Abbas, tout le reste du temps, on s'est vu souvent. Je suis allé deux ou trois fois à Téhéran chez lui. Enfin, il y a eu un vrai truc comme ça de. Ça fait une amitié. Dire amitié avec Abbas, c'est difficile. En tout cas, il y avait non. En tout cas, il y avait beaucoup d'attention, de respect mutuel, ce qui n'est pas toujours le cas avec des grands cinéastes. Je veux dire, il y avait un vrai truc avec lui. Et moi, j'ai des très bons moments avec lui, comme ça. Même si je ne parle pas l'iranien, lui, il a l'avantage que quelqu'un à côté de lui parle l'iranien. Non, moi, chaque fois, il y avait un traducteur, quoi. C'est compliqué. Et je suis même allé le filmer... chez lui, à Téhéran, pour le coffret que MK2 avait fait sur Chaplin. Il y avait une collection à l'intérieur du coffret qui disait on demande à quelqu'un de faire un film, de choisir un film de Chaplin et d'aller voir un cinéaste contemporain. Et donc moi, je suis parti. J'ai proposé à Abbas de faire avec sur le Kid. Il a accepté. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'avait jamais vu le Kid. Mais, et puis il y a eu des tas de trucs très compliqués, comme toujours avec lui. Quand on filmait Kiarostami, tout était compliqué parce qu'il ne supportait pas de ne pas avoir la main. Mais il le faisait évidemment à l'iranienne, c'est-à-dire sans la moindre autorité. Il se débrouillait, quoi. Parce que moi, par exemple, je suis allé faire la mise en scène un soir chez lui, et le matin, j'arrive, il avait tout changé, la place de tout, quoi. Donc c'était un jeu comme ça, mais un jeu très délicat, je veux dire, c'était pas du tout. Et puis c'était. Pour moi, ce n'était pas une prise de pouvoir. C'était, il ne supportait pas. Il ne supportait pas que quelque chose se fasse avec une caméra, quand il était là. Et à propos du pain et la rue, à cette occasion, je lui ai proposé d'aller le filmer, de retrouver le parcours du petit garçon, du pain et la rue. Et ça a été assez extraordinaire, enfin, comme truc, quoi. C'est-à-dire tout avait changé, il n'y avait plus rien. Mais la petite impasse du film était encore là. Et il m'a dit, voyez, c'était là, il sonne et une dame sort. Et il me dit, elle était déjà là. Bon, ça faisait partie des trucs de Kiarostami, c'est-à-dire on ne savait jamais si c'était vrai ou pas vrai. Mais bon, il créait de la légende, pas de la légende, il créait en permanence de l'imaginaire à partir du réel. Mais c'était impossible de savoir si racontait des salades ou si c'était vrai, voilà. Jean-Michel, votre première rencontre. Alors, il faut distinguer la rencontre avec le cinéma de Kiarostami. Donc, comme beaucoup, y compris d'ailleurs Danet, sauf que lui, il va à Téhéran tout de suite après, ce qui n'est pas mon cas. Donc, c'est la projection à Locarno de Où est la maison de mon ami, et la certitude qu'on découvre quelque chose qui compte et qui nous parle. Après, on va pouvoir préciser. Et puis, il se trouve qu'à cette époque-là, je faisais partie d'une commission au CNC qui est d'aide à la distribution et où nous avons pu aider, collectivement, bien entendu, assez rapidement derrière la sortie en France de Voir du soir.
du passager et de close-up. C'est Jean-Jacques Varret à l'époque, hein, c'est les films du paradoxe. Rétrospectivement, ça a l'air d'aller de soi, ce sont des films très importants qui aujourd'hui sont reconnus par la cinéphilie. Sur le moment, et d'ailleurs les institutions qui nous avaient réunis pour qu'on leur recommande à qui il fallait donner de l'argent pour aider la sortie du film, était un petit peu, trouvé que c'était beaucoup tout pour cet Iranien que personne ne connaissait. D'ailleurs, au sein de cette commission, il y avait vraiment des gens de très grande qualité, dont Jean-Claude Biette, enfin, des gens comme ça, où on était là, on disait. Et avec Alain l'a évoqué à propos de Close-Up, l'idée que c'est un éventail de façon de faire du cinéma, d'utiliser les ressources du cinéma, depuis quelque chose qui a l'air d'être un documentaire extrêmement simple, hein, de voir du soir, qui n'a rien de simple, mais qui a l'air comme ça de mobiliser des ressources, disons, de mise en scène limitées, à la conception incroyablement complexe et riche de close-up, et puis avec aussi ce qui était donc son premier long métrage que le public français a pu découvrir, il n'y a qu'en France, hein, que hors d'Iran, que ces films ont été rendus visibles au public rapidement, donc avec le passager qui est sorti à ce moment-là. Ça a fait cette rencontre très très forte, très très puissante. Après, moi, Abbas, je l'ai rencontré pour l'interviewer pour Le Monde au moment de Et la vie continue à Cannes. C'est la première fois qu'on se rencontre avec un interprète. Puis je suis allé à Téhéran voir tous les films de Kiarostami en préparation de la première grande intégrale Kiarostami qui a été organisée à Locarno par Marco Müller en 1995. Et là, j'ai rencontré une jeune thésarde française qui parlait persan et qui m'a aidé, puisque rien n'était sous-titré, donc qui me traduisait, qui est toujours Agnès de Victor. C'est Abbas qui nous a mariés aussi, donc ça fait partie d'une dimension de la vie personnelle en même temps. Je pense que c'est important comme ça. Quoi. Il a accompagné notre existence vraiment dans toutes ces étapes importantes. Et donc on a développé ensemble, et grâce parce que Agnès, elle est personophone, et donc ça permet quand même une relation plus directe avec lui, que ce soit chez lui ou quand il venait en France et qu'il venait chez nous, une relation long cours qui évidemment concerne ses films, mais qui s'est beaucoup matérialisé également sur son travail photographique. Plus facile, les films, on va au cinéma, on s'assoit dans les salles, là, des photos, il les amenait, il faisait les bouquins de photos, il nous les apportait, on en parlait, on en parle un peu dans le livre, il commence à la toute fin des années 70 à faire de la photo, comme on dit, avant il prenait des photos, mais ce n'était pas une pratique artistique, et tous ceux qui ont travaillé à ses côtés disent la même chose, il n'aimait pas, peut-être faudrait dire, il ne savait pas choisir dans ses propres photos. Et donc il disait, voilà, et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut garder là-dedans ? Et il étalait sur la table 150 images de paysages, ou de très souvent, hein, essentiellement quand même, ça qu'il a photographié. Et donc on a aussi été dans cette relation-là. J'imagine toujours que dans le public, il y a des gens parce qu'on parle du passager, on parle de close-up, parce qu'on a, quand on a ces films en tête, on peut aller d'un film à l'autre, mais moi j'imagine toujours qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément ou qui ont vu peut-être un film ou quelques films de Kiarostami, mais l'idée c'est de... voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi j'aimerais bien qu'on parle du coffret Canoun, ça tombe bien parce que c'est vraiment le début de l'œuvre d'un cinéaste. Donc, Alain, comment est-ce que vous définiriez le cinéma d'Abbas Kiarostami et son entrée dans le cinéma, par quelle porte il est rentré et qu'est-ce qui s'est tout de suite affirmé, même si on ne parle que du pain et de la rue, mais
de ce qui voilà de ce qui va devenir sa patte et son apport dans le ce qui va faire de lui un grand cinéaste et un grand cinéaste moderne. Bon, avant, je raconte peut-être la préhistoire de Kanoun. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que Kanoun. Alors Kanoun, il faut savoir que c'est un institut, oui. L'institut Kanoun. Peut-être dites-nous en quelques mots, Alain. Kiarostami avait fait diverses choses. Notamment, il s'était occupé de la circulation à Téhéran, ce qui est un exploit. Agent de la circulation. Non, pas agent. Il planifiait la circulation, d'accord, qui okay. est implanifiable. Parce que à part le Caire, il y a pas de ville si compliquée à gérer. En tout cas, bon, il a commencé à faire des publicités. Il dessinait très bien. Il est graphiste. Voilà. Il est graphiste. Et à un moment, donc, la Chabanou décide de créer un espace de pédagogie pour le cinéma. Donc c'est sous le régime du Shah. Tu connais ça mieux que moi. Si... Oui, oui, oui. Mais ouais, j'ai révisé avant de venir. Donc en 65, l'épouse du Shah, Farhadiba, crée un institut dont les initiales donnent Kanoun et qu'on nous traduisons en français par Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, c'est la formule voilà, établie, qui ne s'occupe pas de cinéma à ce moment-là, qui s'occupe essentiellement de littérature, mais qui est destiné aux enfants et aux adolescents, et qui bénéficie à la fois d'une idée très moderne de la pédagogie. Elle et l'amie avec qui elle crée ça ont étudié à la Sorbonne, sont très frottés d'idées modernes, occidentales, et veulent le faire partager pour les enfants et les adolescents. Et un statut indépendant qui fait que beaucoup d'artistes, y compris qui n'ont rien d'être de particulièrement affectueux pour le régime du Shah, vont y trouver un espace d'expression. Essentiellement des écrivains et des poètes, aussi des musiciens et des peintres. Et en 69, donc comme Alain avait commencé à l'indiquer, un petit groupe de gens, un monsieur qui est graphiste, mais qui dessine des affiches pour le cinéma, qui emploie Abbas Kiarostami comme graphiste d'affiches pour le cinéma, dit « mais il faut qu'il y ait du cinéma aussi dans cet endroit-là ». Et ils vont créer un département cinéma, même plus exactement deux, parce qu'il y en a, c'est séparé à ce moment-là la fiction et le documentaire, et confié à Kiarostami, qui ne vient pas du cinéma, qui n'est pas cinéphile, qui n'a pas vu les films de Chaplin. Qui n'est pas vu beaucoup de choses. Non. C'est ça qui est. Mais qui, qui est bouillant d'idées, d'attention au monde et de sens esthétique, de sens plastique. Va devenir responsable de du département documentaire au sein du Kanoun, et ils vont mettre en place avec quelqu'un qui s'occupe de la fiction, qui est un réalisateur qui n'a pas du tout l'échelle de Kiarostami, mais qui compte quand même, il s'appelle Ebrahim Folouzech, la production que vont rejoindre tous les grands cinéastes iraniens qui apparaissent à ce moment-là. C'est le moment d'une émergence. Donc, une nouvelle vague, quoi. Oui, si on veut. Darius Merjoui, qui a fait La Vache, Bahram Bezaï, un peu plus tard, Amir Naderi, qui va y tourner des films magnifiques dans le cadre du Kanoun. Pour comprendre cet environnement dans lequel ils sont, les films... Alors, au début, ils font ça parce qu'il y a un festival de films pour enfants à Téhéran qui attire beaucoup de monde, et ils vont candidater à ça. Ils vont s'y développer d'ailleurs une école de films d'animation, et ils vont imposer cette production de films qui ne sont pas vraiment des films pour enfants, mais qui sont des films liés à l'enfance par un biais ou par un autre, qui ne sont pas distribués dans le circuit commercial iranien. Le Kanoun a son propre réseau de salles qui n'est pas soumis à la même censure, qui n'existe pas sous le même, et qui va leur donner de débat, mais qui est extrêmement bien structuré pour quadriller l'Iran. C'est la femme du Shah qui avait instauré ça, c'est des bibliothèques partout dans le pays, et on y ajoute des projecteurs, soit dans des salles de cinéma, soit
pas des salles de cinéma en général, mais où les films vont être montrés, vont exister dans les festivals et dans le réseau Canoun. Et Abbas Kiarostami fait partie de ceux qui réalisent les premiers films, c'est des courts-métrages, hein, pour, dans le cadre du Canoun, avec Ezaï qui fait Oncle Moustache, et puis ils vont faire venir aussi Chaïd Salès, grand cinéaste un peu de la génération déjà d'avant, et Abbas Kiarostami donc réalise son premier court-métrage. Il le tourne en 69 et il sera montré en 70, Le Pas et la Rue, déjà évoqué, et qui, quand on connaît bien son travail, est déjà contient en germe énormément de ce qu'il va ensuite activer comme ressource de cinéma, avec une sorte d'instinct, on peut dire, puisqu'il n'a pas une formation, en tout cas, cinéphile, tout à fait impressionnante et émouvante. Et quand on remontre aujourd'hui à des étudiants en cinéma Le Pain et la Rue, c'est d'une richesse qui reste très impressionnante. Donc Alain, je reprends ma question. Donc Le Pain et la Rue, comment on définit le cinéma de Kiarostami? Avant de répondre, non, parce que cette histoire du festival de films pour enfants de Téhéran, il y avait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils invitaient très très luxueusement, donc les gens y allaient. D'accord. J'en y allais. Et Truffaut, qui n'était pas un grand intervenant politique, il a pris la peine une fois de faire une intervention publique pour dire n'allez pas au festival de Téhéran parce que c'est un pays, et il s'est mis à analyser ce qu'était le régime et tout ça, ce qui est très bizarre parce que c'était pas son genre, j'ai envie de dire. En tout cas, il a pris la parole publiquement, je sais pas, pas à la télé, dans un endroit où il y avait plein de gens pour dire je vous interdis d'aller au festival de Téhéran. D'accord. Il n'a pas connu après le nouveau régime. Mais en tout cas, il était très hostile à ce que des cinéastes français aillent à ce festival. D'accord, okay. Donc, mais pas à cause des films, à cause du régime. À cause du régime, du financement. Et chats, voilà. Qui lui avait raconté de l'histoire. Oui, donc moi, cette histoire, si vous voulez, pour moi, elle est très importante des films Canoun, parce que dès que j'ai vu ça, et c'est Abbas qui me prêtait qui me donnait des copies pourries souvent, mais je voyais ce que c'était, quoi, comme ça. Et du coup, moi, ça faisait partie, disons, de ma réflexion pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants? Et donc, quand en 2000, quand je suis allé travailler avec Jack Lang sur la mission Les Arts à l'école, et j'ai donné l'idée de commencer une collection de DVD spécifique, et il m'a dit qu'on commence par quoi? Et je lui ai dit, on commence par Le Pain, on commence par Où est la maison de mon ami, ce qui était bizarre. Croyez-moi, les inspecteurs généraux disaient, pourquoi on ne commence pas par un film français, enfin, au moins un film européen. Pourquoi on commence par un film iranien, comme ça et tout, quoi. Et en fait, j'ai compris après que Jack Lang connaissait très bien le cinéma de Kiarostami. Et donc, il m'a dit oui tout de suite. Et du coup, moi, après, j'ai eu envie comme je connaissais tout ce qui était dans le coffret, c'est vieux ça, hein, c'était au début des années 2000, j'ai dit, avec l'argent, j'avais un budget pour faire mes DVD. Oui. Je lui ai dit, faisons un inédit, je vais à Téhéran et je ramène tous les courts-métrages comme ça, pédagogiques. Donc je vais à Téhéran, je rencontre la directrice du Canoun, on discute le prix, j'avais de quoi payer, en fait, si on peut dire. Et elle m'a dit, et puis elle trouvait très bien que ce soit dans l'éducation nationale, ce truc-là. Et donc elle me dit oui, et quand je reviens à Paris, je comprends que je ne pourrais pas le faire, parce que Kermit, il voulait tout Kiarostami. Marine Kermit voulait tout, c'est-à-dire que du coup personne n'avait le droit de sortir des DVD de Kiarostami si ce n'était pas lui. Ouais. Donc j'ai été un peu abattu. Oui, bah ça a été son producteur. Hein. Ah non, mais ça c'était avant. D'accord, ok. Il n'était pas encore son producteur. En tout cas, c'est pas le fait je peux comprendre ça. Sauf que j'ai râlé pendant 20 ans en me disant, il m'a empêché de le faire, mais lui il ne le fait pas.
Donc maintenant, je suis content, il l'a fait, et c'est bien fait. Donc voilà, c'est pas, c'était ça qui était important pour moi. C'est que c'est, et bon, il y a là-dedans un film qui, pour moi, est une des plus grandes choses comme ça sur l'Iran, sur l'enfance, sur tout, c'est Devoir du soir. Devoir du soir, c'est un chef d'œuvre absolu. Quoi. C'est le film qui permet le mieux de comprendre l'Iran. Entrons dans Devoir du soir. Alors racontez-nous peut-être le dispositif, et puis on va peut-être en montrer un extrait. Voilà, on ne parlera pas du pain et de la rue. Bon, Devoir du soir, c'est très simple, comme toujours. C'est toujours un cinéaste de dispositif. Est-ce qu'on peut dire que Kiarostami est un cinéaste de dispositif ? Très souvent. D'accord. Et même, enfin, parfois, le film est un dispositif, et parfois, le film n'est pas un dispositif, mais ses plans sont des dispositifs. C'est-à-dire, l'idée de l'idée moderne des dispositifs, elle traverse à peu près tout ce qu'il fait. Voilà. Même si parfois, c'est très visible, et parfois, c'est moins visible. En tout cas, l'idée du dispositif, par exemple, des caméras, quand il fait après les films avec deux caméras dans la voiture, etc., c'est du dispositif de filmage à ce moment-là. Donc là, sur bon, Devoir du soir, c'est très simple. Donc, son fils va à une école dans son quartier et il s'aperçoit un soir que, parce que son fils travaille mal et tout, il a envie de lui donner une tape. Il dit, si moi, Kiarostami, j'ai envie de donner une tape à mon fils, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il décide... Enfin, quand on me dit ce que... pense Kiarostami, il faut toujours se dire qu'il inventait tout. Enfin, il disait la vérité, mais il l'inventait. Je veux dire que personne ne peut dire que c'était vrai ou pas vrai. Jamais. Et même, il jouait beaucoup avec ça, de dire un truc et de dire le contraire après. Si vous voulez. Mais c'était un jeu. C'était de l'ordre. Moi, j'adorais ça. C'est-à-dire l'idée que la vérité n'est pas une chose unique, assénée, etc. Et surtout, on peut inventer. Tout en voulant dire la vérité, on peut inventer, on a le droit d'inventer. Oui, mais ça, c'est un point important quand même dans son cinéma où on est, nous, en tant que spectateurs, on est réellement convoqués, on est réellement convoqués sur la crédibilité de ce qu'on voit. On s'interroge toujours sur qu'est-ce qui est capté. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que le personnage dit la vérité, est-ce qu'il ment, c'est quand même on est en permanence... On ne se repose jamais dans un film de Kiarostami. Et c'est ce que je trouve très stimulant, et esthétiquement, et au niveau de la narration. On dit, mais déjà, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Qu'est-ce qu'on me raconte ? Est-ce que, voilà. Donc, on ne se repose jamais. Pourtant, tout est extrêmement simple. Mais alors, oui. Il n'y a rien de compliqué. Au contraire. Racontez-moi le pitch de Devoir du soir. Devoir du soir, bon, c'est simple. Donc, il va à l'école de son fils. Il demande l'autorisation de filmer pendant un mois. Il se met dans une classe et il installe un dispositif policier. Il se met avec une grosse lampe comme les flics dans les films. Il a ses lunettes noires. Il a ses lunettes, ça il les avait toujours. Mais dans ce dispositif, et il fait venir devant lui un par un les élèves. Et il pose une question idiote. Qu'est-ce que tu fais le soir quand tu rentres à la maison ? Est-ce que tu regardes la télé ? Et à partir de cette question sort. Sur l'Iran. Non, mais alors, faut quand même. On va voir un petit extrait, mais les enfants arrivent un peu terrorisés quand même devant lui. Enfin, ils arrivent à terroriser, mais ils sont déjà. Plus que d'autres. Ils sont déjà terrorisés, parce qu'ils ont déjà des marques, des coups de ceinture qu'ils ont reçus à la maison. Ouais. Parce qu'en fait, on comprend que tous ces petits gamins, c'est pas une école. Bah oui, c'est des tout petits. C'est-à-dire, les parents les battent, parce que souvent, les parents ne savent pas lire. Donc, voilà. Même si on ne sait pas s'il a bien fait, on le tape. Et ça, surtout, l'idée, c'est que ça transmet la loi. C'est-à-dire, nous, on a été battus, donc il n'y a pas de raison qu'on ne batte pas nos... Et même des gens qui ont l'air bien, ce qu'on en voit dans le film. C'est-à-dire, c'est terrible, sur comment la loi traverse la société iranienne, comme ça. C'est-à-dire, direct. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et donc, le film, enfin, c'est une violence incroyable sur ça, quoi. Parce que les enfants racontent... Et le dispositif qu'il met en place... fait sortir de l'enfant, des enfants, tout ce surmoi, toute la violence de la société iranienne de l'époque. Il faut la replacer dans le contexte. C'est la violence intérieure. Intérieure. Et extérieure, puisque les parents tapent vraiment. Oui. Les parents, enfin, en gros, des parents. C'est un pays en guerre. Oui. C'est tourné dans un pays en guerre. Voilà. La violence, elle n'est pas que. Voilà, c'est ça. Outre que. J'ai travaillé avec des enfants pendant 10 ans dans les années 70, dans le banlieue. Ils étaient pleins de marques, de coups de ceinture.
D'ailleurs, ce n'est pas que iranien de taper les enfants où ça ne l'était pas, jusqu'à des périodes relativement récentes. Alors, et c'est très violent et c'est très ancré dans des réalités, mais il faut aussi entendre que ça n'est pas non plus comme une sorte de bulle. C'est pas un isolat, quoi. C'est une histoire. Au contraire, c'est ce qui est magnifique, c'est que ça ouvre des échos qui peuvent aller très loin dans plein de directions. Et ça permet juste, après je te prends la parole, une question fondamentale pour moi, c'est la cruauté. C'est-à-dire que Kiarostami pense qu'un dispositif de cinéma qui permet de sortir de la vérité a le droit d'être cruel. Alors ça, oui, ça c'est particulier. Moi, un jour, j'ai parlé de ça avec lui très précisément sur l'histoire du cahier, de la photo déchirée pour faire pleurer le gamin et tout ça. Voilà. Alors, ouais. Dans Où est la maison de mon ami, c'est dans Où est la maison de mon ouais, ami. Oui, voilà. C'est ça. Où, pour obtenir quelque chose de cet enfant qu'il est en train de filmer, on a en comprenant, il va... Non, il lui avait donné une photo, le gamin n'en avait jamais eu, il était très content. Oui. Il prend la photo, il la déchire, le gamin pleure et il filme, il met dans le film. Non, mais ça, c'est Buñuel. Enfin, je veux dire, c'est l'idée, c'est que le cinéma, s'il dit quelque chose, car même où il y a un peu de la vérité, ça peut... Oui, Rossellini, ça passe par la cruauté. Enfin, la cruauté n'est pas... Pour un bon cinéaste, la cruauté n'est pas interdite, au contraire. Aujourd'hui, tout le monde est gentil et tout, c'est une idée un peu, qui paraît un peu bizarre, mais Kiarostami était convaincu de ça, et dans le film, là, il y a une scène d'une absolue cruauté, puisqu'il y a un petit garçon, qui, c'est ce que j'avais apporté, qui est dans une détresse totale. Ouais, mais c'est compliqué de... Ouais. Non. Donc, je peux le raconter. Le gamin est dans une détresse totale, mais on le voit, il tremble, il... C'est le gamin le plus terrorisé de ce qu'on voit et qui ne peut pas se séparer de son ami. C'est ça. Il est obligé d'être proche de son ami qui veut parler, voilà. Mais qui n'est en confiance que quand il a son ami qui est soit derrière la porte, soit à un mètre de lui. C'est ma théorie sur Kiarostami, c'est que c'est un agencement. Ma théorie, c'est que tout son cinéma est construit sur l'agencement. Hein. Mais là, c'est un agencement terrible. C'est-à-dire, évidemment, lui, il est terriblement défait, angoissé, il pleure et tout. Et il s'agence à un gamin qui est un ange. Il ne branche pas, qu'il y a un beau pull bleu. Et il ne supporte pas que son ami soit à 4 mètres de lui. Et donc Abbas lui dit, si tu me réponds à mes questions, je le fais revenir. Et l'autre, il essaye, mais il craque, il n'y arrive pas. Quoi. Donc c'est un dispositif vraiment cruel. Ouais, c'est assez pervers. Quand même. Ouais, mais alors la réponse qu'Abbas faisait, plutôt elle est de bon sens, il disait, finalement, si je suis un peu cruel pendant 5 minutes avec un enfant, si ça sauve 3000 enfants iraniens de ça, c'est bon. Oui, d'accord. Mais l'idée qu'il y aurait une morale absolue du cinéma qui devrait être gentil, j'y ai jamais cru. Bon. Ce dont parle Alain a une histoire pour nous, qui est une histoire intéressante, je trouve, parce que c'est une histoire des réceptions des films. Nous avons tous découvert le cinéma de Kiarostami avec Où la maison de mon ami. Il y a des choses tendues dans Où est la maison de mon ami, mais globalement, c'est un film gentil et qui finit bien. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, on a accolé à Kiarostami une espèce d'image un peu lénifiante qui vient d'Où est la maison de mon ami et qui ne correspond pas à la grande majorité de ses films. La grande majorité de ses films sont durs, sont sombres, finissent pas forcément bien. Son deuxième court-métrage, La récréation, c'est vraiment la solitude et l'échec de des agencements successifs que tente le petit garçon qu'on voit. Mais l'habit de mariage, le passager est un film qui est très cruel, où il y a des scènes où il est battu, etc. Il y a des scènes cruelles, mais c'est quand même une sorte d'échappée qui tourne à un échec. Hein. Il est parti voir quelque chose qu'il ne va pas voir. En un mot, le passager, c'est un jeune garçon qui veut aller voir un match de foot et qui veut se payer ce billet pour aller à Téhéran pour aller voir un match de foot. Et qui met tout en place. Qui met tout en place en traversant des choses très dures, où il trahit tout le monde, il vend les
Il a récupéré un vieil appareil photo, donc il prend ses... Avant, parce qu'il jouait, au foot avec passion, il avait une espèce de club dans la rue, il vend tout le matériel club pour payer son billet à lui. Il manipule son copain, puis il fait croire à tous les gamins qu'il les prend en photo, mais il les fait payer, alors qu'il n'a pas de véhicule, l'appareil, il a un appareil qui est cassé de toute façon, etc. Donc tout ça est quand même construit sur des rapports qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas sympas. Oui, mais on a une empathie folle avec ce personnage, c'est-à-dire qu'on lui suit... Parce qu'il a une présence de cinéma incroyable, parce que lui-même, donc, parce qu'il a fait des bêtises, est battu violemment à l'écran, et on le voit, le directeur de l'école le tape avec la mère qui est à côté, etc., qui est plutôt pour que le directeur tape encore plus fort. On n'est pas du tout dans un monde cool, quoi. On est dans des rapports. Et l'essentiel du cinéma de Kiarostami, et notamment des films Canoun, des films avec les enfants de toute cette période, hein, le dernier film Canoun, c'est « Et la vie continue ». Alors « Et la vie continue », c'est à un autre niveau, puisque là, on est dans le contexte... C'est après le tremblement de terre. Après un tremblement de terre qui a fait des dizaines de milliers de morts, qui a été un massacre, qui a été une abomination, ce qui s'est passé là où ils sont. Et ils sont parmi des gens dont les maisons sont en ruine. Alors oui, on est avec un enfant qui cherche avec tout ça, mais on est quand même dans une situation d'une dureté extraordinaire. Et j'avais envie d'intervenir par rapport à ce que disait Alain pour dire Kiarostami, je ne sais pas si on peut dire un cinéma de la cruauté, notamment au sens de Bazin, mais c'est un cinéma qui n'est pas... dans l'arrondissement des angles. C'est un cinéma où il y a beaucoup de choses tendues, coupantes, sombres. Alors, une question, parce que c'est pas que je voudrais pas qu'on reste sur cette note, mais moi, c'est pas le ressenti que j'en ai eu, et c'est curieux parce que j'étais accompagné d'une amie qui, on est allé à l'expo voir quelques films, et elle en est ressortie avec vraiment cette sensation-là, très cruelle, où c'est ce documentaire un peu tardif, où cette jeune fille demande à cette jeune fille si elle veut être actrice, de lui couper les cheveux et tout ça. Non. Une toute petite fille. Mon ami n'a pas supporté. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que ça rejoint, là, pour le coup, un cinéma de la cruauté. Mais je voulais parler des les élèves du cours préparatoire, où on voit, c'est pareil, toujours un dispositif et une... Kiarostami qui filme un proviseur qui convoque des enfants qui se chamaillent à la récré et qui cherchent une solution. Qui cherche à solutionner, qui cherche... Moi, ce film m'a bouleversé. Je voyais une sorte de politique fondamentale, même à l'échelle de l'enfance. Comment on fait pour pardonner? Comment on fait pour se réconcilier? Moi, je l'ai entendu aussi comme ça, et sans être complètement béat et sans trouver que... Voilà. Mais par rapport à des choses, quelque chose d'insurmontable comme ça... Comment il arrivait à chercher chez l'un et chez l'autre quelque chose qui ressemble à une sorte de pas en avant ou de et j'ai trouvé, je sais pas, c'était pas un cinéma humaniste, mais j'ai trouvé ça très 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 fort et très réconciliateur, mais au sens le plus profond, quoi. Je sais pas, Alain, qu'est-ce que vous en pensez? ça existe et il y a donc ça existe dans le cinéma de Kiarostami. Il y a dans les petits films qu'il réalise pour le Canoun, il y a lui qui s'appelle Deux solutions pour un problème. Oui, par exemple. Aussi. Voilà, qui est tout à fait dans ce sens-là. On dit, c'est mieux plutôt que de se foutre sur la gueule, de discuter et d'essayer de réparer le cahier une fois qu'on l'a déchiré, etc. Mais il y a par exemple, un autre film qui s'appelle « Avec ou sans ordre », où on voit bien que, d'abord, on commence par nous expliquer, c'est des petits films pédagogiques où ils montrent que si on ne se bouscule pas pour monter dans un bus, plus vite, nous, on va voir que la vie, ce n'est pas ça. Oui, et toute ça. La dernière séquence de ce film, c'est que... sorte de chaos la comme vie, ça. Alors, c'est ni le chaos, ni un ordre descendu d'en haut, etc. Il y a un film... grand film politique, me semble-t-il, à sa manière très étonnante, qui s'appelle Le Concitoyen, et où c'est juste un policier qui doit empêcher des automobilistes de prendre une rue qui est en sens interdit. Au bout de la rue, il y a un hôpital.
Et donc chacun a une bonne raison. C'est de la négociation permanente. Et c'est de la négociation, c'est avec beaucoup de considération pour le jeune flic qui est là, qui essaye de trouver des réponses. Mais il déploie des trésors de diplomatie ça, et puis en même temps... Mais qui à la fois montre que les gens exagèrent, mentent, et qu'en même temps, c'est ça la cité, au sens vraiment de la politique, c'est que si c'est que une espèce de muraille de réglementation, c'est invivable, et que si c'est tout le monde qui passe, c'est invivable aussi. Et donc on est dans ce souk, à tous les sens du terme, sans fin, et des adaptations moyennes. Et donc, c'est que trois exemples. Évidemment, si on allait sur cet objet majeur que réalise Kiarostami pour le Canoun, qui s'appelle cas numéro 1, cas numéro 2, et qui là est une réflexion avec les dirigeants politiques au moment de la Révolution, de qu'est-ce qu'on fait face à une situation de conflit entre des élèves. Alors, il y a un prof. Voilà, non, mais deux mots quand même sur cas numéro 1, cas numéro 2. Cas numéro 1, cas numéro 2, c'est tourné au moment de la révolution iranienne. Et à ce moment-là, le Kiarostami, enfin, faire bref, met en place un petit dispositif avec un film de fiction où les élèves font du bruit pendant le cours. Le prof ne sait pas qui est-ce qui a fait du bruit, il demande qu'on dénonce, il sait que ça vient du fond, qu'on dénonce le coupable, il ne se dénonce pas, il fait sortir tout le dernier rang et il dit vous rentrerez que quand vous aurez dénoncé celui qui est le perturbateur. Et après on va avoir différents cas de figure, deux cas de figure de réponse à cette injonction du prof. Ce petit sketch, et il va le montrer à des parents. D'abord, pas aux parents des gamins. Donc, on est dans du documentaire, oui. Parce que ce sont les vrais parents des enfants que nous avons vus. Puis, à des dignitaires, à des responsables. Il va les montrer au plus grand responsable politique d'une société qui est en plein bouleversement, puisque la révolution a été renversé. Enfin, c'est commencé avant même que la révolution soit accomplie, que le chat soit parti. Puis dans les mois qui suivent, et ces gens-là, les dirigeants des partis politiques, les grands ayatollahs, le rabbin de Téhéran, les éducateurs, des responsables d'organismes et tout ça, tout le monde dit le maître a raison, il faut à tout prix maintenir l'ordre, c'est dégueulasse, il ne faut pas demander aux enfants de se dénoncer entre eux, l'important c'est qu'ils aient... Et donc ça déploie de manière très étrange, d'autant plus si on sait qui sont ces gens-là et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus après sous le régime, voilà, c'est ça. Y compris certains vont finir par exécuter d'autres de ces gens que nous voyons à l'écran à ce moment-là, on a là une sorte de déploiement alors qui va au-delà de est-ce que le cinéma de Kiarostami est pour que tout le monde soit gentil voilà. Ou est-ce qu'il met en scène des violences irréconciliables. Il prend en charge tout ça. Ouais. Et si on veut dire une généralité, je crois qu'il faut s'en tenir à cette labilité, cette multiplicité des points de vue qui ne sont pas les avis de Kiarostami, qui ne dit jamais aux gens qu'est-ce qu'il devrait penser, qui ne nous le dit pas à nous non plus. Il nous met devant ça. C'est notre espace, nous, après, de faire ce qu'on peut ou ce qu'on veut avec ce qu'il nous a montré. Alain, oui. Sur cette idée comme ça de nous mettre les gens devant des possibles très divers et puis les gens se débrouillent. Moi, j'étais avec lui à Nice, il avait fait un workshop de 10 jours. À la Villa Arson. Et donc, le premier jour, les stagiaires arrivent, enfin, les gens qui étaient inscrits, et il dit « Je vous divise en deux groupes. » Alors, il fait rentrer le premier groupe dans une salle de cinéma, une petite, et il projette un film, si je ne me rappelle jamais le titre, celui où il y a les œufs et les mouettes et tout ça. Voilà. Seagulls. Seagulls. Donc, il montre ça. Et quand c'est fini, il dit « Voyez, le cinéma, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'être au bon moment, avec ma caméra, j'ai appuyé et c'est le film. » Oui, ils étaient tous un peu sidérés. Sur. Faut dire ce qu'on voit. On voit trois œufs de muettes sur un rocher battu par des vagues. Et c'est court, hein, c'est une dizaine de minutes.
les vagues vont emporter et donc détruire ces trois œufs, alors qu'il y a les cris de ce que nous imaginons être la maman mouette qui voit sa progéniture se faire détruire. C'est un film d'une extrême cruauté avec rien. Enfin, Alors, donc ça, c'était le premier groupe. Après, il fait entrer le deuxième groupe. Ça, c'était à l'ouverture du stage, c'est-à-dire c'était pour initier des gens au cinéma. Et il montre le même film et il dit, voyez ça, vous croyez que c'est simple? J'ai tourné pendant 6 jours, j'ai fait du montage digital pendant une semaine, tous les sons sont faux. Et c'était vrai. C'est la deuxième version qui est vraie. Oui, c'était pas bizarre. Après 4 ans. Et du coup, ils sortent et ils rencontrent le premier groupe. Donc, le groupe, ils disent génial et tout, le cinéma c'est facile. Les autres étaient déjà découragés sur tout ça. Et puis les autres avaient une idée que Kiarostami, c'était pas le genre à faire du montage digital, des trucages et tout. Ils se régalaient, je veux dire. C'est clair que c'était un truc aussi. Il aimait autant ça que la captation comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que l'idée de la vérité chez Kiarostami, c'est passionnant. Mais je voudrais répondre au truc de je sais pas qui a dit finalement le garçon qui vole qui tout ça pour avoir un billet on est quand même avec lui pour moi c'est simple, c'est-à-dire pour Kiarostami on voit quelle est la société iranienne dans laquelle ces petits garçons, il n'y a pas de filles parce qu'à l'époque c'était peut-être que des garçons sont condamnés, ils sont condamnés à la loi la plus obtuse, etc. Et du coup les personnages de Kiarostami, les petits garçons, ils vont être sauvés parce qu'ils ont une idée fixe et qu'ils sont entêtés et qu'ils feront tout pour y arriver. C'est-à-dire que du coup, même s'ils sont injustes, même s'ils ne voient pas, etc., leur moteur qui est de « je ne vais pas subir comme ça la loi iranienne telle qu'elle est injectée dans la transmission », et pour ça, chez Kiarostami, c'est clair, il faut avoir une idée fixe. Et du coup, quelqu'un qui suit son idée fixe, forcément, on est toujours avec lui. Même s'il fait des trucs un peu bizarres, on est avec lui, parce qu'en plus, on comprend bien que dans la société où ils sont, ces petits garçons, si on ne veut pas être noyé, c'est la seule solution. Du coup, et ça, c'est un moteur très très fort dans les films du début de Kiarostami, hein, c'est-à-dire, j'ai une obsession d'aller rendre le cahier à mon copain pour pas qu'il se fasse virer de l'école, où j'étais, il n'y a que ça. Tout à fait. Oui, l'ado solide et fixe. C'est je veux cette fille. Voilà. Et du coup, ça donne une énergie au film très grande. Et là, on voit bien Kiarostami qui parle de lui d'une certaine façon, en disant voilà, il faut avoir une idée fixe. C'est mieux que n'importe quel autre. Il ne faut pas s'adapter. Sauf que lui, après, il s'est adapté au cinéma, mais il faut pas. Si on s'adapte, on est foutu. Donc il faut avoir un truc qui vous guide. S'agencer. Je voudrais qu'on passe peut-être l'extrait de la solution. On peut passer solution 10 minutes, mais j'aimerais peut-être Alain vous me parliez de ce concept là d'agencement. Vous en avez parlé, mais que parce que le film. Parle vraiment de ça, peut-être, c'est ce que vous développez dans vos ouvrages, mais parlez-nous-en, l'agencement donc, chez Kiarostami. Après le film ? Non, avant. Bon, par rapport à ce que je raconte sur le petit garçon kiarostamien, il ne cherche pas une alliance, il sait qu'il n'y en a pas. Il ne cherche pas quelqu'un, c'est pas son père, c'est pas sa mère, il n'y a personne avec qui il pourrait s'allier consciemment pour arriver à son but. Mais par contre, il sait que dans Où est la maison de mon ami, par exemple, je trouve que c'est génial le type qui vient pour acheter les vieilles portes qui sont sans doute très chères en les remplaçant par des portes en fer et en roulant les paysans. C'est un voleur. Enfin, ce type est un voleur et il déchire le cahier du petit garçon et pourtant, c'est grâce à lui qu'il va aller de l'autre côté, là où c'est interdit, puisqu'il se met dans le sillage de ce voleur, et être dans le sillage, ça permet d'avancer. Et on peut être dans le sillage de n'importe quoi. On peut être dans le sillage d'un chien, on peut être dans le sillage d'un voleur, c'est-à-dire... Mais c'est pas une alliance, puisque le type ne sait même pas que le petit garçon le suit. C'est-à-dire, voilà, c'est un agencement.
qui permet, dans une société bloquée, ça permet d'avancer. Et après, dans un film de changement, il y a des films où il n'y aura que ça, hein, le goût de la cerise. Il cherche à s'agencer à quelqu'un, ou à, que quelqu'un s'agence à lui pour lui jeter de la terre quand il sera mort. C'est-à-dire, c'est un film, c'est la pure recherche d'un agencement. Et jusqu'au bout, parce que le dernier film de Kiarostami, qui a été totalement raté en France, enfin, peut-être ailleurs aussi, mais en France, ce film, la critique l'a beaucoup, beaucoup raté, n'a rien compris, enfin, ou en tout cas, n'a pas voulu comprendre. Et là aussi, il y a des agencements très forts, mais totalement énigmatiques. Qu'est-ce qui fait que ce vieil homme et cette jeune fille s'agencent? C'est même pas sexuel, puisqu'on peut penser qu'il n'y a pas d'acte sexuel. C'est-à-dire, c'est l'agencement à l'état pur, c'est-à-dire sans scénario. Enfin, sans scénario, sans, voilà, sans justification de l'agencement. Des joueurs, tout à fait. Il y a des possibilités, tout à fait. C'est jamais ça qui arrive.